João Manuel Gonçalves Lourenço, qui préside aux destinées de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a effectué une mission auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Question de plaider pour la levée de l'embargo sur les armes imposées à la République centrafricaine depuis 2013. Célestin Okanoyireka. Lors du mini-sommet de la CIRGL du 20 avril dernier à Luanda en Angola, consacré à la situation politique et sécuritaire en Centrafrique, mandat a été donné au président en exercice de la CIRGL, João Manuel Gonçalves Lourenço, et au président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un soutien affirmé au plaidoyer de la RCA sur la levée de l'embargo sur les armes imposées à ce pays depuis 2013. Après sa mission au Conseil de sécurité de l'ONU à New York en juin dernier, où il a demandé la levée de cet embargo à l'heure où l'épicentre du terrorisme international s'est déplacé du Moyen-Orient vers l'Afrique, le président angolais a envoyé son émissaire le 6 juillet à Brazzaville auprès du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message écrit dans la teneur porte sur le compte rendu de la mission du président João Manuel Gonçalves Lourenço aux Nations Unies. Le message du président Lourenço ne pouvait être autre que celui, n'est-ce pas, de demander la levée de l'embargo. Nous comprenons le dynamique au Conseil de sécurité, mais il faut que, n'est-ce pas, nous, en tant que région, nous soyons les premiers préoccupés pour pouvoir poser les problèmes tels qu'ils se présentent. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que, comme vous savez, le Conseil de sécurité a la responsabilité, n'est-ce pas, du maintien de la paix mondiale. Et c'est bien aussi, n'est-ce pas, la plateforme où nous devons faire connaître ce que nous faisons nous-mêmes, ce que fait la région pour, n'est-ce pas, apporter la paix non seulement à la République centrafricaine, pour la maintenir là où elle existe, et aussi dans le cadre du chapitre 8, les organisations régionales ont donc cette responsabilité aussi de compléter les efforts des Nations Unies, tout comme les efforts de l'Union africaine dans le cadre du principe de la subsidiarité qui fait en sorte que les organisations sous-régionales soient les premières à arriver et quand il s'agit d'un conflit dans un des pays des États membres. La levée de l'embargo sur les armes en RCA permettra aussi aux pays de la région d'acquérir la capacité de se défendre contre les menaces contemporaines. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.